C'est l'histoire d'une montgolfière qui survolait le bord de mer. Elle n'avait ni père ni mère, c'est normal pour une montgolfière. Aussi bête que ça en a l'air, les montgolfières n'ont ni père ni mère. Car enfin c'est bien connu, les montgolfières n'ont ni père ni mère. Personne n'a jamais vu une montgolfière avec un père et une mère. De toute façon, c'est qu'un ballon, arrêtons de tourner en rond. Intéressons-nous maintenant aux gens qui sont dedans. Y'en a un, c'est un petit gros, qui est pas vilain mais qui est pas beau. L'autre est plutôt grand et mince, et vient de la province de Reims. Bon d'accord, il est rémois, mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Il peut bien venir de Toulouse, ou même de Santa Cruz. Mais ça n'a pas d'importance, peu importe sa provenance. Ce qui importe, c'est de savoir ce qu'au gros il déclare. Ôtez-moi l'un doute, mon cher Blaze, ne trouvez-vous point que ça hume un brin de gaz? À ce qu'on n'avait pas dit plus tôt, c'est que Blaze était le nom du petit gros. Justement, puisqu'on parle de lui, voyons ce que Blaze répondit. Si ça hume le gaz, mon bon Robert, c'est qu'on est sur une montgolfière. C'est qu'on est sur une montgolfière.